Mais toi, je me rapproche, Seigneur, enseigne-moi à Jésus ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de... J'ai baissé le micro, je ne vous entends plus. En toi, je me confie à toi. Ah, je me rapproche et avec tout mon cœur. À toi, je me confie. Mais toi, ah, je me rapproche et mystère Dieu avec tout mon cœur, avec tout mon âme, avec tout mon esprit. Enseigne-moi, ah, Jésus, ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié et de moi. Amen, 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 amen. 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 Je baisse le micro, je baisse le micro en toi. Ah, ah, je me confie, donc je me confie complètement à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai aucun plaisir sur la terre, mon Père puissant, si ce n'est toi. En toi seul, je me confie, je vais par toi, Seigneur. Je parle par toi, je vois par toi, j'entends. Par toi, j'agis par toi, Seigneur, je descends par toi, tu es toi pour moi, Jésus-Christ, source de vie, source de joie éternelle, la nouvelle vie, la nouvelle aurore, cette nouvelle aurore, c'est ta vie qui agit en moi, de toi seul la vertu sainte qui guérit. Donc, comme je vous disais hier, on va passer dans les préliminaires avant de toucher le message de Juges 14 pour ceux d'entre vous qui sont humbles et qui prêtent attention au pain vivant qui est descendu du ciel pour ceux d'entre vous qui savent pourquoi ils sont là, pas par la malice, non, pas que tu mets le téléphone tu bloques le haut-parleur, après tu commences à faire autre travaux pendant qu'on prêche pour Jésus, tu n'es pas là. Tu n'es pas sincère, tu te manques à toi-même, tu te détruis toi-même. Quand le temps va arriver, quand ton maître va venir pour dire que maintenant donne-moi mon salaire, je t'avais donné 2 talents. Qu'est-ce que tu as fait de ces 2 talents? Ou à la sainteté que tu as acquise, ou à le travail que tu as fait pour moi, il va te juger sévèrement et il va te peiner. C'est toi qui perds ton temps. Je ne suis pas ton ami, je répète encore clairement, je ne suis l'ami de personne à qui méprise la parole de Dieu. Je dis toi là qui m'écoute, peu importe où tu es, quand tu méprises la parole de Dieu, je ne suis pas ton ami. Même si j'étais appelé hier, on a eu au téléphone, quand je vais découvrir que tu t'amuses avec Jésus, je vais te déconnecter et tu ne vas plus me reconnaître. Je te dis la vérité au nom de Jésus. Voilà, on te parle de ton éternité. Vous voyez, on ne peut pas entrer au message. Déjà, je sens qu'il ne faut même pas aller parler de ce que je voulais parler parce que le cœur des gens n'est pas dans la parole. Vous voyez, très clair. Je sens déjà la direction de l'esprit pour reprendre quelqu'un qui ne connaît pas, il s'amuse. Il veut connaître que le pasteur dans la chair. Il veut connaître que l'homme de Dieu dans la chair. Ta joie, c'est seulement quand les choses du monde vont bien. On va parler au message de Jésus 14. On va seulement laisser le Saint-Esprit va nous ramener une autre fois. Très clair. Vous voyez, c'est pour ça que beaucoup de gens ne seront pas enlevés. Vous voyez, et pourquoi Jésus ne travaille pas, il n'avance pas. Le cœur des gens n'est pas tourné vers lui complètement. Vous voyez, la révélation est devant, la grâce est devant, mais le peuple est lent à comprendre. Le peuple est lent à se convertir. Tu écoutes la parole de Dieu, tu mets encore des boucles d'oreilles. Je ne suis pas ton ami. Le Saint-Esprit te parle. Il faut écouter, il faut écouter. Voici le vrai Jésus. Hein? Voici la vraie communion que j'ai avec toi en tant que pasteur. Je ne suis pas ton ami. Très clair, je ne parle pas par l'amertume du cœur. Je parle par l'amour pour ton âme parce que ton jour arrive. Et puis quand tu seras dans le feu éternel, tu vas dire à Jésus, ah ben Seigneur, tu vas dire, Seigneur, ou bien alors tu vas commencer à dire, ouais, pasteur.
dit à Jésus de m'enlever, non? Oui, oui. Alors que le Seigneur Jésus te parlait tous les jours, par la bouche du pasteur, tu as écouté le message qu'il y a beaucoup de femmes en enfer avec les boucles d'oreilles. Et tu as encore les boucles d'oreilles sur toi, très très. Et tu crois que tu t'amuses, je ne suis pas ton ami. Écoute-moi bien. Parce que maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, ne t'affectionne pas à la naturelle. Je ne suis l'ami de personne qui méprise son éternité. Donc tu dois comprendre que c'est la raison pour laquelle on est ensemble, c'est parce que Dieu va t'amener au ciel, très clair. Et je ne vais pas trahir l'affection pour Jésus à cause de toi. Écoute-moi bien, très bien. Les femmes ont l'attitude là. Elles croient que quand elles viennent à l'église, elles veulent mépriser Jésus-Christ et s'attacher à l'homme naturel. C'est un démon que je dénonce et que l'Esprit de Dieu dénonce maintenant. Jésus va ton âme. Quand tu t'attaches à moi, tu n'es pas une femme pour moi. Je te vois comme une âme qui doit aller au ciel. Il faut bien écouter, bien écouter, bien comprendre. Je ne connais personne selon la chair. Oui, tu dois obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais encore avec la vanité sur le corps? Tu te lèves tous les matins, tu écoutes la parole de Dieu et tu méprises. Tu crois que tu es mon ami? Tu n'es pas mon ami. Tu dois te repentir dans le combat et on ne connaît personne selon la chair. Il y avait des gens qui persévéraient ici avant. Quand on parle comme ça, elle raccroche propre. Tu peux raccrocher, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas changer. Tu dois mettre ta vie en ordre. T'aimer, c'est aimer ton âme pour que tu partes au ciel avec Jésus-Christ. Moi, en tant que pasteur, j'ai mes responsabilités. J'ai des comptes à rendre à Jésus-Christ pour ton âme. Quand il va t'envoyer là-bas avec ta vanité que tu as sur le corps dans le feu éternel, il ne faut pas que mon nom sorte là-bas. Le pasteur avait dit que tu dois sanctifier Dieu avec tout ton corps, toute ton âme, tout ton esprit. On est plein au niveau des petits maquillages, des mèches, des bijoux, des vernis, des choses qu'on met sur le corps. On n'est plus dans ça. On a déjà traversé ça du poids. Mon corps me fait, mon cœur me fait mal. Quand j'appelle une soeur, tu appelles un frère, tu le marques, il est là avec les boucles et puis il est avec toi. Ça, c'est les rides de la chair. Quand la parole de Dieu passe comme ça, Dieu règle ton problème. Amen. Très clair. Tu dois te convertir, te repentir. Sinon, je ne t'ai jamais connu. Je te dis la vérité, je ne t'ai jamais connu. Si tu vas t'amuser avec ton éternité, le cœur là, Dieu veut que tu te confesses, que tu te donnes complètement au Seigneur Jésus-Christ, la vanité sur le corps. Beaucoup de gens qui veulent rencontrer, quand tu m'appelles, quand tu marches avec moi, et que tu es frère et tu es soeur en Christ, il faut comprendre qu'on n'a rien en commun dans la chair. Rien, rien, rien en commun. Le seul moment où je te parlais, le seul moment où je ris avec toi, c'est parce que te voir comme une âme qui va aller au ciel, très clair. Si tu es la femme de quelqu'un à la maison, tu es la femme de ton mari, quand tu arrives à l'église, tu es une simple sœur en Christ, très clair, comme tout le monde. Si ton mari est pasteur ou bien ton mari est prophète, quand tu arrives à l'église, tu es une simple sœur en Christ, comme tout le monde. Tu obéis à la parole de Dieu, comme tout le monde. Tu n'es pas content parce qu'on t'a dit qu'il y aura l'argent qui va venir. Ce n'est pas ça la joie que le Saint-Esprit va entendre. Je suis fatigué d'entendre les paroles, des murmures des gens qui suivent le pasteur pour l'argent. Ne me suivez pas pour l'argent. Suivez-moi pour vos âmes. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si tu as besoin d'argent, il faut aller demander à Jésus. Tu travailles pour Jésus. Tu ne travailles pas pour le pasteur et son bas, tu es venu pour aller au ciel. Arrange la cupidité que dans ton cœur, parce que je vais commencer à mentionner les noms ici là pour reprendre les gens ouvertement, clairement. Je vais mentionner les noms des gens qui entrent à l'église avec la ruse, la cupidité dans le cœur. Quel est ton problème? On s'en va dans le livre de Luc 16. Quel est ton problème? Tu as quel problème dans la terre, sur la terre? Tu t'amuses avec. Que tu crois que tu vas mentir à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, je n'ai connu personne dans la chair. Toute partie de moi, je vous répète en vérité que je me déconne.
déconnecterai de ma femme qui veut m'empêcher d'aller au ciel. Je me déconnecterai de mon enfant qui veut m'empêcher d'aller au ciel. Je me déconnecterai de l'institution de la terre que les gens appellent l'église. Si vous voulez m'empêcher d'aller au ciel, je me déconnecterai de toute partie de moi qui veut me déranger et qui me parle de la terre et de mes problèmes sur la terre. Je me déconnecterai. Je me suis déjà déconnecté de cette partie-là parce que Christ a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc, toute partie de moi qui dit qu'il me faut, je vois encore beaucoup de gens à l'église. Quand ils n'ont pas encore eu un petit revenu, tu vois le visage est attaché. Prou, comme c'était, tu t'attaches le visage avec mon frère, ma soeur, tu es libre d'aller adorer maman. Je parle ouvertement. Je ne veux plus que quelqu'un trouble l'esprit de Dieu ou apporte le désordre à l'église à cause de l'argent. Tu fais encore comme ça, je vais mentionner ton nom et les frères vont t'identifier et clairement, je ne veux plus les murmures. À cause, on a déjà parlé des murmures qui troublent, qui apportent le trouble dans le cœur des gens. Très clair, les murmures. Voilà, tu n'es pas sanctifié. Dieu t'a donné la vie. Tu as la vie éternelle. Alors, quel est le problème? C'est la femme qui te pose. Dieu, la femme de te laisser tranquille. Tranquille. Le mariage, ça se gâte. Si elle veut partir pour servir maman, pour aller voir les hommes du monde qui ont les voitures, qui ont les gros boulots et qui vont la construire, la mettre dans le maquillage. Ma soeur, mon frère, tu lui dis que c'est terminé par gauche. Je suis venu pour aller au ciel. Je parle de la vie éternelle. Le frère éternel n'est l'ami de personne. Je cherche mon éternité. Il faut que tu te réveilles. Ce n'est pas parce que tu ris avec moi. Ce n'est pas parce que tu me parles. Je ne t'ai jamais connu. Quand il en vient aux intérêts de l'éternité, tu n'as aucun problème. On a répété maintes fois, il y a toujours la cupidité dans le cœur des chrétiens. La vraie cupidité, c'est l'argent qui les anime, c'est l'argent qui les motive, l'amour de l'argent. Je vais partir dans Luc 16, revenez dans un. Vous voyez, moi je vous ai commencé en disant qu'on ouvre Juge 14, mais ce n'est pas ça, mon frère, ce n'est pas ça. Les cœurs sont pourrés, les cœurs là, Jésus s'arrête avec toi. Tu peux marcher avec Jésus 10 000 ans, tu pêches une fois, il s'arrête complètement. L'amour de l'argent, l'amour de l'argent. Oui, que le diable a promis qu'il va utiliser pour détruire l'église de Jésus-Christ. 1 Timothée 6, la mort de l'argent, la mort de la vie que les hommes ont sur la terre. Ils aiment beaucoup la vie, très clair, très clair. Ils ne sont jamais sanctifiés. Ils ne comprennent pas l'avantage que Jésus leur a donné de jeûner, de prier, de gagner le territoire, d'avancer dans la sainteté pour prendre l'avantage. Et si le diable, il croit que c'est une cupidité. Vous voyez, la Bible nous dit dans 1 Timothée, chapitre 6, que les gens la pensent qu'ils sont privés d'entendement et ils croient que la piété est une source de gain. Donc, quand il est dans l'église, il croit qu'il va gagner quelque chose. C'est ce qui le motive. Et Dieu, aie pitié de moi que je détecte les gens comme ça à distance, comme mon âme ne s'attache point à elle. Mon père, aide-moi. La vie ici, la course ici, on est en train de dénoncer le sang de l'argent, le sang de maman, la vie sur la terre, le privilège que Dieu te donne. Mon frère, identifie-toi à Lazare. Par rapport à Lazare, tu as un problème jusqu'à aujourd'hui, malgré les messages que tu entends, tu murmures encore. Tu murmures encore. Tu n'as pas eu l'argent, je ne sais pas quoi, tu n'as pas eu ce mois-ci. Peut-être que le mois prochain, tu auras, ou bien le mois, ou bien dans 100 milliards d'années, tu auras. Mais ceux qui sont en enfer n'ont rien, ils n'auront rien. Alors tu me remets quoi devant Dieu? Tu demandes même quoi? Alors tu n'es pas sanctifié. Tu cherches quoi? Tu as quel problème? Tu as quel problème? J'ai perdu la connexion même depuis avec les gens qui sont sur les gens qui sont sur Skype. J'ai perdu la connexion avec eux, mais je ne peux pas couper le message pour le prendre. Je vais continuer s'ils prennent la ligne. Alors, tu as quel problème? Hein? Tu as quel problème? On parlait de Dieu, tu ne regardes pas, tu es emporté par l'argent, c'est ça qui te contrôle. Tu crois que tu vas gagner, le diable te manipule avec les problèmes qui jaillissent de ton cœur à gauche, à droite pour troubler l'église. Tu troubles l'église avec tes problèmes d'argent. Voilà très clair, tu troubles l'église. Tranquillement, assure-toi avec ton problème là-bas. Tu n'as aucun
problèmes. Tu es heureux. Si le diable, il y a des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Voilà, tu es en santé, tu demandes encore quoi? Alors, il y a des personnes qui sont à l'hôpital, très clair, et ils ont des maladies terribles. Le cancer, par exemple, où il faut faire des transferts de sang tout le temps, et il faut payer plus que des sommes colossales pour recouvrir la guérison. Ils ne vont même jamais recouvrir cette guérison. Toi, tu es en paix, tu dors, tu manges, tu bois, et tu dénonces des gens avec le problème sur la terre, l'argent, au cœur de tout. Voilà pourquoi plusieurs abandonnent Jésus. Très clair, les murmures, très clair, murmurer, trop murmurer. Donc, que le Seigneur te parle, voilà, très clair, abandonne ton problème là-bas. Voilà, le problème de ta maison ne doit pas infecter l'église. Il faut bien comprendre. Le problème de ta maison, le ventre, parce que c'est toujours le ventre, voilà, très clair, ne doit pas souiller l'église avec le péché, très clair, avec les inquiétudes que nous ne voulons pas avoir. On n'a pas d'inquiétude pour la terre. On a perdu nos vies sur la terre. On ne veut plus pour nous-mêmes. Tu veux, tu manges, tu bois et tu te plains encore. Qu'est-ce que tu attends? Hein, la cupidité pour mobile veut de vouloir gagner sa vie derrière Jésus. Tu as vu la souffrance de Lazare, tu es comme lui. Lazare dormait à terre, il avait les ulcères sur son corps, les chiens venaient lécher son corps, il n'avait rien pour manger, il cherchait même à manger les miettes qui tombaient de la table du riche et il n'était pas capable d'en manger. Il ne se plaignait pas. Tu dénonces les gens étant dans le ministère. Hein? Je prends deux minutes, je vais revenir là-bas. Très clair, il faut regarder ton affaire. Tu ne persévères pas avec les aveugles, tu persévères avec les enfants de Dieu qui te voient clair. Donc, arrange ton problème. Tu as l'amertume dans le cœur. Tu ne peux pas aimer. Tout tourne pour toi autour de l'argent. C'est l'argent qui est un motif. Jésus n'est pas comme ça. Non, arrête-toi, viens. Ce n'est pas une histoire d'argent. Très clair. C'est une histoire de sainteté du ciel. Tu dois partir au ciel. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement. Très clair. Tu vois, un chrétien n'est pas content. Comme je disais aujourd'hui, il n'est pas quand tu le vois content, excité, c'est qu'il y a un peu d'argent qui a tourné quelque part. Ou bien là, on va peut-être, je ne sais pas moi, comment ça se passe. Très clair. C'est-à-dire qu'il y a un espoir dans la. Et à ce moment-là, on parle bien du pasteur, on ne parle pas mal de lui, mais quand le problème d'argent arrive, on commence à murmurer, très clair. On cherche à être avec le pasteur parce qu'on a un petit intérêt à côté, très clair. Quand Jésus donne les ordres, on n'accepte pas les ordres de Jésus, non, mais on va accepter les ordres du pasteur, très clair. Moi, mon frère, ma soeur, je te dénonce au nom de Jésus-Christ vainqueur. Tu n'auras rien de moi. Oui, très clair. Ce n'est la parole de Dieu. C'est la parole qui t'a été annoncée. Oui, que voici. Très clair. Donc, la piété avec contentement. Donc, l'humilité, voilà, avec contentement. Donc, le vrai chrétien se contente de ce qu'il possède. Très clair. Voilà. Enlever la cupidité. Très clair. Dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Tu dis que. Il suffit seulement d'un petit truc comme ça. Il commence déjà à monter. Ça, c'est quel genre d'attitude? Ce n'est pas l'attitude des chrétiens. C'est l'attitude des commerçants. Voilà. Tu n'es pas un chrétien. Maman t'a déjà positionné. Tu attends l'argent. C'est l'argent qui est ton motif premier. Et tu crois que tu vas continuer comme ça, mon frère, ma soeur. Tu es connecté. Peut-être que maintenant, les actions comme ça, je vais les dénoncer, mentionner ton nom à la prédication. Très clair que tu as infiltré l'Église avec l'esprit de cupidité. On n'est pas ici pour la cupidité. Un vrai chrétien qui cherche la sanctification, qui cherche la gloire de Jésus, a la capacité de souffrir et il a la grâce de souffrir. Tu vois, il faut faire attention parce que tu ne persévères pas avec les aveugles. Très clair, tu persévères avec les gens qui souffrent aussi. Très clair, pour Jésus, pas pour eux volontairement. Très
très clair dans Philippiens 1, verset 29, dit que c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Où est la grâce de souffrir? Si tu ne peux pas patienter, tu es agité. Et c'est comme ça que tu sors les mauvais mots de ta bouche à l'endroit du pasteur, dans ta chambre, dans tes pensées, dans ton cœur. Tu t'assois avec ta femme dans la chambre et vous parlez contre le Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, les restitutions doivent être faites ouvertement, très clair, très clair. Il faut venir avec ça ouvertement, parler, confesser tes péchés, parce que tu parles pas contre moi, mais tu parles contre Jésus pour qui tu travailles. Tu ne travailles pas pour Dieu, très clair. Je parle à tout le monde. Voilà l'impatience, agent, 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 avant ton problème, là-bas, très clair. On cherche les hommes qui vont à leur ciel, et je ne cherche pas d'amitié, je ne suis pas vide d'amitié, Jésus est mon ami, ça me suffit, très clair, je te dis la vérité. Il faut suivre la parole de Dieu pour aller au ciel. La Bible dit que nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien apporter, sinon nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alors la nourriture, est-ce que tu ne manges pas? Lazare ne mangeait pas, ma soeur, mon frère, on a lu avec toi que Lazare, le pauvre Lazare, ne mangeait pas, très clair. Donc, tu vois bien, la Bible nous dit, je lis pour que tu comprennes, dans Luc 16, verset 19, un pauvre nommé Lazare, voilà, était couché à sa porte couvert d'ulcère et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chien venait encore lécher ses ulcères. Très clair. Est-ce que ta pauvreté, tu me remets trop? Il faut arranger ton problème, hein? Arrange ton problème. Parce que le pasteur peut te dire qu'il va faire quelque chose et puis Jésus refuse. Très clair. Tu m'as compris? Toi qui critiques l'Esprit de Dieu. Le pasteur est conduit par l'Esprit. Quand moi je te parle dans mon affection naturelle, l'Esprit de Dieu qui connaît ton cœur et ton idolâtrie, de ne plus compter sur lui, mais maintenant compter sur un homme, il peut bloquer tout ça, et quand il bloque, tout est bloqué, il dit regarde la considération qu'ils ont pour l'argent, regarde la considération qu'ils ont pour maman, dans ma maison, ils ne vont être dans l'allégresse que quand ils entendent argent, maman, alors que tout ce que j'ai fait pour eux, la mort à la croix, la vie éternelle, le repos éternel, pour qu'ils ne partent pas être tourmentés pour des siècles infinis dans le feu éternel. Ils n'ont aucune reconnaissance. Ils n'acceptent pas la grâce de souffrir. Est-ce que tu acceptes la grâce de souffrir? Non, c'est sur la grâce pour le monde. Mon frère, tu ne vas pas tenir longtemps, ma soeur. Dans l'assemblée des saints, le Saint-Esprit te dénonce ouvertement, très clair. Et c'est comme ça que tu es là avec les yeux de Python. Peut-être que l'avantage va partir là-bas, l'argent, ça fait comme ça. On va maintenant donner la responsabilité à tel. Peut-être comme ça, comme il appelle aussi l'autre, que là-bas il y a argent et tout ça. Voilà, mon frère, que Dieu t'en délivre et t'en garde et confesse tes péchés, parce que tu ne peux pas mentir à l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui veulent s'enrichir, la Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, le piège du diable, voilà, et dans beaucoup de désirs insensés. Donc tu les désires, touche les désirs, très clair, les faux désirs, très clair, ils ont les désirs insensés, vous voyez, désirs insensés, et quand ils parlent de ça, ils mettent un peu sanctification dedans, donc ils parlent, ils croient, ils parlent à un faux prophète. Je ne suis pas un faux prophète, tu avais fait l'erreur, je ne suis pas un faux prophète, je suis un enfant de Dieu qui aime ton âme et qui travaille en attendant la récompense de Christ. Et ne me manipule pas en me disant que tu attends la sanctification, donc avec un peu d'argent, tu vas être sanctifié. Non, répands-toi, l'amour de l'argent, ce n'est pas ça, mon frère. Lazare n'avait pas l'argent, mais il était sanctifié. Mais fais-toi, la prochaine fois, je vais mentionner ton nom, ce n'est pas parce qu'on rit, on mange ensemble et je t'appelle au téléphone. La prochaine fois, je vais dire ton nom à toute l'église pour qu'on sache quel est le genre de cœur que tu as, très clair.
voilà, l'esprit d'erreur, l'esprit de mensonge, l'esprit de déresté. Tu connais combien d'autres personnes souffrent, les chrétiens qui souffrent dans la brosse, qui n'ont même pas l'eau à boire. Alors, l'attitude dans le cœur qui n'est pas reconnaissant, qui sait l'homme, maudit soit l'homme qui s'appuie à l'homme, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. N'est-il pas écrit dans le livre de du juste que voilà le cœur du roi est comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Très clair, il est incliné là où il veut. Pourquoi ne pas s'appuyer en l'Éternel, ton Dieu? C'est trop dur pour toi d'attendre de Jésus. Et tu sais que Jésus ne va pas te répondre parce que c'est le désir de la chair. Tu connais bien. C'est pourquoi tu viens avec dans la chair. Pour vouloir travailler, ne travaille pas avec moi. Travaille avec Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Il y en a même qui sont là. Tandis que tout ce qui le font, c'est le gain, la cupidité qui les a mis là. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les recherche. Mon frère, Jésus va te dénoncer. Ma soeur, Jésus-Christ va te dénoncer. Le temps approche. Il regarde comment tu pêches en secret, comment tu n'es pas transformé. À un moment donné, tu ne seras plus à l'église. C'est clair, très clair. Tu ne peux pas persévérer. La Bible dit que quand, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Très clair. La racine de tous les maux, de tous les problèmes, de tous les maux. Il y a les maux de différentes sortes. Il y a les maux qui font que tu sois fâché. Il y a les maux qui font que tu sois content. Pour Dieu, tout ça, c'est les maux. Ça veut dire que ce qui t'empêche à plaire à Dieu, très clair, à t'affectionner à Dieu, le diable utilise tantôt la souffrance, tantôt il utilise le bonheur de la terre pour t'empêcher de t'attacher à Dieu. Tu vas t'attacher à celui qui peut t'enlever de la souffrance de la terre, mais tu ne peux pas t'attacher à celui qui peut t'enlever de la souffrance éternelle. Très clair, l'adoration là ne passe pas devant le trône de Dieu. Très clair, il y a des personnes que quand ils te voient avec l'autre frère ou l'autre soeur, ils commencent à être jaloux. Tu dis que le frère, si est jaloux, pourquoi il est jaloux? Parce qu'il croit que comme tu avais l'autre frère là-bas, il y a aussi un peu d'avantage derrière. Que Dieu nous pardonne. Quand l'autre soeur là, elle est un peu jalouse, comme tu avais l'autre soeur, quoi que par derrière là, et l'autre aussi un petit avantage de tout ça. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous aide très clair. Je parle à tout le monde sans exception. Sur le soleil, même toi qui vas écouter la parole là, même à moi qui suis en train de prêcher, toute intention diabolique derrière un frère, derrière une soeur, que ce soit pour n'importe quelle personne, que Dieu m'en garde. Jésus-Christ n'a pas d'armée. Il est en train de voir comment le temps va bientôt sonner pour ta mort et tu ne t'en inquiètes pas. Tout ce qui compte pour toi, c'est le monde, c'est l'argent. C'est le plaisir de la terre. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Très clair. Donc, l'amour de l'argent, l'apôtre Paul parlait à l'église. Il ne parlait pas au monde. À l'église, l'amour de l'argent, très clair. Alors, ton problème, arrange ton problème, très clair. Même quand tu souris, ton sourire n'est pas vrai. C'est la cupidité qui t'anime, qui t'agit. Voilà, très clair. On ne veut pas de chrétiens comme ça. On ne veut pas de chrétiennes comme ça. Tu es bien, tu as de tout, tu n'as aucun problème. On a déjà prêché quand les démons là t'attaquent, que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas. Tu as même une place pour dormir. Lazare n'avait pas de place pour dormir. Écoute bien. Tu as une place pour dormir. Et si tu ne manges pas, et tout ça, ça trahit les gens parce qu'ils ne jeûnent pas. Hein? Ils ne cherchent pas la sainteté. Tu les vois là, ils montent, au lieu de combattre leurs démons, ils sont toujours en train de croire qu'ils sont déjà arrivés. Ils font les choses superficiellement. Ils montent, ils descendent dans l'activité. J'étais prêché, j'étais évangélisé. Tu évangélises à qui? Toi-même, tu es contrôlé par le monde. Tu parles de la misère, de la terre. Tu évangélises quoi? Pourquoi pas dire la vérité à Jésus? Que voici, l'enlèvement va bientôt venir. Je m'inquiète encore
de la terre. Comment tu vas aller prêcher aux pauvres? Tu ne peux pas être envoyé. Rien de plus étonnant qu'on ne porte pas des fruits. Très clair, ils pensent toujours à leur sort. Juge le dit clairement. Et ils réfléchissent, ils sont prêts, ils comptent les démons leur donnent les versets bibliques, et ils sont prêts à côté, ils ont deux bouches. Quand ils parlent de moi, de l'autre côté, c'est différent. Le pasteur, là, il me critique par derrière. Il me critique, il ne sait pas que le Seigneur les dénonce aussi. Donc, il parle, quand il trouve quelqu'un qui va mal parler de moi, il s'accorde avec la personne. Il ne lui dit pas la vérité là-bas parce qu'il a un petit gain qu'il va avoir. Après, il change comme le caméléon. Quand il arrive de l'autre côté, il voit qu'il a un petit gain. Il change encore, viens te regarder. Tu vas faire jusqu'à quand? Juge, chapitre, juge, verset 16, dit que ce sont les gens qui murmurent, voilà, qui se plaignent de leur sort. Très clair, tu as compris? Donc tu ne prêches pas sur toi, tu te plains de ton, tu es dans la Bible. Regarde bien, tu te plains de ton sort. Ton sort n'est-il pas meilleur? Ne vas-tu pas au ciel? N'as-tu pas reçu la grâce de te consacrer pour servir le Dieu vivant? Dieu ne s'est-il pas manifesté à la maison de ton père, à l'église? Très clair, pourquoi tant te tuer l'éternel avec les problèmes qui ne font que des nôtres? Mon frère, n'as-tu pas une maison au ciel? Ma chère, n'as-tu pas une maison au ciel? Alors, pourquoi tant l'éternel? Tu as quel problème? Quand est-ce que tu vas être prêt pour travailler? Le temps arrive, bientôt tu vas mourir. Après, on va commencer à jeûner, prier, tu n'as rien fait. Coupe-le. Voilà ce que le Seigneur dit. Tu as coupé la terre inutilement. Ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon les convoitises. Voilà, voilà leurs convoitises et qui ont à la bouche des paroles telles et qui admet les personnes par motif d'intérêt. Ici là, ce qui est important de comprendre pour toi, c'est que tu murmures de ton sort. Alors, très clair, quel murmure tu vas avoir? Est-ce que ton sort, c'est sur la terre? N'est-ce pas ton sort être au ciel avec Jésus? Jésus n'a-t-il pas dit à l'homme riche, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens me suis-moi, tu auras une trésor au ciel. Tu murmures pourquoi? Hein? Pourquoi là tu vas murmurer? Très clair, tu ne peux pas persévérer dans la souffrance. Tu sais combien de temps les gens font sans manger pour chercher la face de Dieu? C'est pour ça qu'il dit que vous ne jeûnez pas comme le veulent ce jour. Quelqu'un qui jeûne va dompter toutes sortes de murmures, de désirs. Tout ce qu'il demande à Dieu, c'est que si je peux manger après des jours et des jours, quand je prends l'eau, tu prends l'eau, tu bois, tu dis pas. Tant puissant, je te rends gloire de ce que je peux boire ce verre d'eau, car beaucoup n'en boiront plus jamais pour l'éternité comme l'homme riche. Tous ceux qui veulent, qui murmurent de leur sort vont finir comme l'homme riche dans le feu éternel. Très clair, mon frère, ma soeur, tu te plains pour rien, tu veilles. Très clair, tu n'as pas appris la souffrance pour vaincre la souffrance. Les désirs t'animent parce que tu ne veux pas souffrir et tu ne combats pas, tu perds le temps à l'activité monter, descendre. Au dernier jour, Jésus m'a dit que je ne t'avais jamais envoyé. Tu travaillais pour le pasteur Somba. Moi, si je vais dire à Jésus que Jésus, le Somba pour lequel il travaillait là, moi je ne le connais pas. Très clair, moi je travaillais pour Jésus-Christ. Je me suis déconnecté du vieil Somba que lui suivait. Moi, je me suis attaché au nouvel homme que tu as créé et me voici devant toi. J'ai travaillé pour toi. J'annonce à tout homme sur la terre qui n'a aucun problème sur la terre et que son problème c'est le feu éternel. Donc il doit vivre sur la terre pour aider ses frères à ne parler dans le feu éternel. Voilà pourquoi on est sur la terre. Moi-même qui vous parle, je suis capable de dormir dehors. Très clair, tu me mets dans un pays où il n'y a pas de froid et d'hiver. Mon frère, je mets ma nappe dehors, je dors tranquille, je n'ai aucun problème, aucun. Quand je bois de l'eau et que je mange un morceau de pain, je dis, Seigneur, ça, tu m'as appris l'importance d'apprécier ce que Dieu donne. Avant, je ne pouvais pas dire à Dieu merci pour l'eau que je bois. Avant, je ne pouvais pas dire à Dieu merci pour le pain que je mange. Sauf Dieu, que je connais, que vraiment boire cette eau, c'est une grâce infinie de Dieu. Il faut comprendre, hein? Très clair. Parce que beaucoup de
ne sont pas dans la foi. Boko, c'est simplement l'activité. Couvrir, couvrir. Tu couvres avec qui? Tu vas couvrir avec les gens qui ne sont pas sanctifiés. Mais les personnes qui voient Dieu, qui voient les voies de Dieu, qui connaissent Dieu par le cœur, qui cherchent l'éternité des âmes, vont savoir que tu n'es pas dans la foi. Tu peux monter, faire des conférences, les croisades, faire tout. Dis, tu n'es pas dans la foi. Va te reposer. Cherche ta sainteté tranquille. Jésus ne t'a pas envoyé. Très clair. Tu es dans l'activité. Tu es en train de te plaindre pour les morceaux de pain. Donc, je n'ai pas le temps pour entrer en profondeur dans toutes ces choses-là. Très clair. Moi, je vais lancer la prière. Tu vas ouvrir ton micro. Ce n'est pas la peine de froisser le visage là-bas. C'est la peine d'écouter la parole de Dieu qui te parle. Je ne suis pas ton ami. Je ne t'ai jamais connu. On parle de Dieu. On ne se plaint pas de son sort. Le vrai chrétien n'a rien de tout ça. Voilà très clair. Dieu sait même le nombre de nos chemins. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de parler à Dieu. Une minute de prière, c'est terminé. Une minute de prière. Oui, la parole de Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas maman que tu sais. C'est Jésus-Christ que tu sais. Parle à Dieu. Tu ne veux pas tomber dans le piège de Judas Iscariote. Voilà très clair. Croyez qu'il va gagner quelque chose derrière Jésus. Non, il ne va rien gagner. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de parler à Dieu. Demande la grâce, Père Tout-Puissant. Tu nous as parlé du blé, sur le danger de chercher l'argent. Avec le cœur de la cupidité, venir à l'église avec les motifs impairs. Mon Père Tout-Puissant, aide-nous. L'église n'est pas un endroit où les gens viennent pour vouloir gagner leur vie sur la terre. Seigneur, tu nous as appelés à souffrir pour que les autres te connaissent, te voient, pour que tu puisses parler au travers de nous. Tout le temps doit entrer dans le jeûne profond. Oui, parce que tu enseignes beaucoup dans le jeûne. Beaucoup ne jeûnent pas comme tu veux. Seigneur, c'est pourquoi les désirs ne font que monter, monter, monter. Jusqu'à combien de temps, mon Père? Oh, écoutez-nous, que nous soyons affranchis complètement. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prier, c'est l'heure de prier, Père Tout-Puissant, mystère de Dieu, fortifie-moi, délivre-moi de la cupidité. Oui, mon Père, c'est de toi que je reçois la grâce de la vie éternelle. Je n'ai aucun problème, aucun. Je le salue de mon âme. Mon Père, très clair, c'est l'heure de prier pour que tu pries, prie pour que tu aides les autres, prie pour que Dieu t'envoie pour aller aider les autres à connaître qu'il y a la vraie souffrance devant. Tu te prends encore de ton sort. Comment Christ va t'utiliser, ma soeur, mon frère? C'est l'heure de parler à Dieu. N'attends rien d'un homme. Tu murmures dans ton cœur pour rien. Ma soeur, mon frère, n'attends rien. Qui t'a dit que tu dois attendre de l'église, d'un homme? Tu dois attendre de Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu es chrétien. Oui, tu t'en vas à Canaan. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas sur notre âme. Alléluia. 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 Délivre-moi. Délivre-moi de la cupidité. Délivre-moi du gain. Délivre-moi de la mort de l'action. Délivre-moi de l'esprit de murmure. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Murmurer pour l'argent. À l'église, tu murmures. Quand le mot argent sort, tu disparais. Tu n'as plus la prière. Tu as disparu. Et tu dis que tu es chrétien. Prêt pour que Dieu te délivre la source de tous les maux. De tous les maux. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. La source de tous les maux. De tous les maux. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est l'heure de prière. La source de tous les maux. De tous les maux. À toi la parole. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ vainqueur, très clair, tu peux nous rejoindre sur Skype, tu tapes Église de la vie éternelle, Église de la vie éternelle pour prier en direct avec nous. Messenger, Facebook, tu tapes Église de la vie éternelle et tu peux prier avec nous. Si tu veux les informations, tu peux appeler au Cameroun, à Vancouver, Montréal, en Russie et en Suisse en tapant. Ah, voilà, pasteur Somba, et tu vas voir d'autres messages où on a donné les références, où tu peux nous contacter, très clair. Que le Tout-Puissant te bénisse au nom
tout-puissant de Jésus-Christ, vainqueur. Amen. 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 Amen.